m'a dit que... je faisais des trucs. Ouais, on m'a dit que tu ouvrais tes fesses, quoi. Et toi, là. Ah, allô, y'a quelqu'un? Et toi, là. Allô, je suis bloqué. Eh, ramasse le savon, là. Voilà, mets-toi dans le coin. Abaisse-toi. Ferme ta gueule, je suis en train de parler un peu. Eh, abaisse-toi, je t'ai dit. Eh, abaisse-toi et ramasse le savon. Dépêche-toi. Allez. Ramasse le savon, là, Jean-Louis. Comme t'as l'habitude de faire, allez. Voilà, c'est ça. Écarte bien les fesses, tranquille, voilà. Ça va rentrer, t'inquiète. Allez, Ron, retourne. Comme à l'école. Non, c'est comme à l'école, t'inquiète. T'es une victime et tu seras une victime tout le temps, c'est pas grave. Allez, donne-moi ton goûter, là. Oui, si tu veux. On va en classe tout de suite. Je suis le prof d'allemand. Je déclare qu'il y a un cours d'allemand qui va se déclarer. Moi, je suis spécialisé en dehors, tu vois. Non, mais moi, je suis le prof d'allemand, Artouille. Tu vas me suivre directement dans la classe. Je dois te parler de ta maman. Je dois te parler immédiatement, c'est important. Tu as raté ton taser par contre. Strudenbullen, tu as raté ton taser. Artunin, Strudenin, Bederadin, Chitupunin. Toi, tu n'es pas un Allemand. Toi, tu es juste une sale race. Tu as raté de nouveau ton bâton. Tu as raté de nouveau ton bâton. Ah, ah. Tu vas rater ton tir de taser. Oh, tu as raté comme les SS qui ratent la nuit. Tu as raté ton taser comme les nuits de SS. Tu devrais marcher sur une mine. Artouille, tu rates tous tes coups de bâton rouge. Mais tu es très fort. Je dois reconnaître un certain prestige et un certain talent, toi. C'est pas possible. Bidin, tu dois rater ton coup de taser. Attention. Tu vas peut-être rater une deuxième fois. Mais tu peux tout le temps essayer si tu veux. Tu es quelqu'un de très compréhensif. Attention, il vise avec son taser. Je pense que monsieur le Black devrait terminer son taser directement. Mais il ne s'est pas visé correctement, donc il est toujours en train de fail. Oh ! Oh le bâtard ! Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette demoiselle s'est plaint justement que vous aviez des rapports sexuels non protégés avec elle et non consentants. J'aimerais savoir pourquoi vous l'avez violée. Alors, ne me dites... Voilà, c'est ça. Mais j'allais justement en venir. Et ne me dites pas que c'est parce que vos pères vous ont violée et que vos mères étaient alcooliques. Hein. Ne me dites pas ça, je le sais, je suis au courant de tout votre dossier. D'ailleurs, par rapport à Monsieur Sam, je vois que votre père aimait les animaux particulièrement. Mais bon, ça, on va pas commencer à rentrer dans les détails. Il allait recommencer. Oui, mais après, bon, toi, tu cherches un peu. Donc, j'aimerais l'explication des deux jeunes hommes. Pourquoi l'avez-vous violé? Je cherche pas. Non, ils allaient le faire. Lui, il a rien fait, là. Donc, Monsieur Sam, je sais que tu as des problèmes avec ton papa qui te touche le soir et ta mère qui est alcoolique, mais c'est pas une raison. Tu dois rester calme et te dire que c'est pas normal ce que tu fais. Tu es au courant? Ton papa n'en peut rien s'il t'a frappé. Et ta maman n'en peut rien si elle a vu. Je vais bien vous parler seul à seul. Juste pour vous expliquer. Non, non, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes excuses à cette jeune fille. Ok? Et tu vas dire que tu es une grosse merde. Dis-le que tu es une grosse merde. D'accord, mais j'aimerais vous dire quelque chose juste avant. Il n'y a personne qui va sortir d'ici avant que les excuses soient faites. J'espère que j'ai été très clair. J'ai envie de sortir. Non, vous allez pas sortir, vous allez rester dans cette pièce. Jusque quand lui s'est excusé. J'espère que c'est très clair. En fait, toi tu vas te mettre à genoux et tu vas me supplier. Ok, tu vas me supplier de sortir, dépêche-toi là. Allez, dépêche-toi. Je veux que vous chantez chacun une chanson, sinon vous sortez pas d'ici. Chantez une chanson. Je reste là. Y a pas de souci, tu restes là. Pour ton sort, il est fait. Toi, chante une chanson, dépêche-toi. Un petit canard au bord de l'eau, ça me suffira. Un petit canard au bord de l'eau, allez. Pour célébrer justement le fait que ton père est alcoolique et que ta mère te frappe, dépêche-toi. Un petit canard. Ça te fera du bien. Allez, on y va, on chante, allez. Un peu plus d'entrain, allez.
Eh bien, vous savez quoi? Je vais rester dans ma bibliothèque. Et oui, t'es une chienne, toi. Toi, t'es une chienne. Une grosse chienne. Une grosse chienne, tu es. Vraiment une grosse chienne. Donc, tu vas lécher le sol et tu vas te comporter comme une chienne. Alors, en attendant, je vais aller dans ma bibliothèque et je vais attendre que vous fassiez vos excuses et que vous chantiez une chanson. Dépêche-toi, mets-toi sur le lit, Bella. Il va l'agresser, le pédophile. Bella, ça c'est mon problème. Bella, tu te mets sur le lit. Dépêche-toi. J'ai envie de te faire l'amour, Bella. Allez. J'ai pas envie de me mettre sur le lit. Bella, tu vas te mettre sur le lit. De gré ou de force, Bella. Je te déshabillerai et... Non. Si, si, Bella. Dépêche-toi, sur le lit. Et moi, j'entends tout. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va tourner, elle va tourner. Hein. Bah, aide-moi, je sais pas. T'as vu ce qu'il veut me faire? Je sais pas. Bah, c'est quelqu'un, elle... Non, elle va tourner, elle va tourner. Non, je suis en train de me branler, en fait. T'es ma meuf et... Non, tu sors pas, Bella. Tu sors pas. Tu es ma meuf, là. T'es ma meuf. Donc maintenant, tu vas te comporter... Bah, je vais t'acheter un collier. Parce que, de toute façon, t'es qu'une chienne. Et... Une fois que tu auras ton collier, tu vas te comporter correctement, s'il te plaît. Mais dis-moi, tu l'as. Oh, couché là. Coucou, je panier, je t'ai dit. Coucou, je panier, je t'ai dit. Bella. En plus, t'as un bon nom. Hein, allez, un... S'il vous plaît. Oh, t'as un petit nom de Doberman, là, j'aime bien. Bella. Alors, comment ça se passe? Tu te comportes? Je t'explique. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je t'explique comment ça se passe. Tu te balades à un mètre maximum de moi, ok? Quand tu vois un black, par exemple, directement, tu t'allonges. Donc, par exemple, Kader, quand tu vois Kader, tu t'allonges devant lui. Et tu fais ce qu'il te demande, ok? Parce que c'est un black. Ensuite, Bella, je veux que tu me satisfasses 3 fois par jour, minimum. Non, 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 Bella, t'es ma meuf, là. T'es ma chienne, donc maintenant, tu vas rester calme. Non. Alors, je vais appeler la police. Non, je vais partager Kader, ne t'inquiète pas, elle sera partagée. Dans 10 secondes, elle est toute nue de toute façon. Vas-y, j'entre. Ouais, il n'y a pas de problème, Kader. Alors, nous allons parler de votre homosexualité qui fait rage dans l'école. Des rumeurs disent que l'un pénètre l'autre. J'aimerais savoir si qui. C'est moi le patron. Alors écoutez, par déduction, je vois que le dur à cuire, enfin, à mon avis, serait le plus apte à pénétrer l'autre. Donc monsieur Quagliallo, monsieur Quagliallo, à mon avis, vous êtes celui qui donne. Hein. Je pense que le Blackos, là, il doit, à mon avis, ramasser le savon assez régulièrement. C'est bien ça. Je regarde. Non, monsieur. Je regarde dans mes catalogues. Alors attendez, Blackos qui ramasse, Blackos... Voilà, c'est ce livre-ci. Blackos qui ramasse. Alors, les deux systèmes, je voudrais plus entendre parler de votre homosexualité qui fait rage dans l'école. Moi, personnellement, je ne supporte pas... Pédé. Écoutez... Nous, on est pédé, nous. Vous êtes... Écoutez... Homosexuel, pas pédé. Oh, vous allez arrêter. Vos mains serviront pour le fils fucking. Servez-vous de vos mains comme vous le faites d'habitude pour le fils fucking. Mets-toi contre le coin. Arrêtez. Mets-toi contre le coin. Mais quel coin? Il y en a 4. Il y a 4 coins. Contre le coin. Mais quel coin? Dans le coin. Le coin-coin? Le coin, à couper dans le coin. Mais le coin-coin. Quel coin? Tu arrêtes de me frapper tout de suite ou j'appelle le directeur, ok? Tu me dis le coin, quel coin-coin? Bon écoutez, j'appelle monsieur le directeur, vous êtes intenable. Vous êtes intenable. Monsieur. J'en ai marre. D'abord vous... Écoutez, d'abord vous vous fistfuckez dans les toilettes et ensuite vous n'assumez pas. Accroupi. Ah non, je ne mange pas de ce pas là, je suis désolé. Non. Non, monsieur. Je sais ce que vous allez faire. Non, monsieur, non. Je n'accepte pas ça. Non, monsieur. Je ne suis pas tolérant au niveau de l'homosexualité dans les locaux de l'école. Ah, l'infirmerie, t'adore ça pour le thermomètre dans ton cul, hein. Oh, tu as arrêté de me frapper tout de suite, là, Diallo. Tu arrêtes, Martin, Jean-Pierre. Tu arrêtes, tu restes calme. Retiens-moi bien mon nom, moi, je m'appelle Oh, le bâtard. À ce qui paraît, Jean, c'est une grosse tarlouse. Hein. Non, je sais pas, il y a un gars qui t'a insulté, là. Il vient de t'insulter, la meuf, elle t'a insulté, là. Je t'ai pas insulté.
À ce qui paraît, Jean, il suce des pines dans les toilettes. Non. Il y a un mec qui fonce dans le CPU. Oh, mais... Qu'est-ce que je viens de faire là? T'as pas le skill, Jean. Eh, hey, Jean, t'as pas le skill là. Bah t'as acheté du skill, bâtard. Il essaye, il s'énerve, mais il ne garde malheureusement pas son sang-froid. Il ne peut pas mesurer la distance de ses coups, mesurer la capacité de donner des coups corrects. Il rate, il échoue. Oulala, oh belle esquive. Oulala, là nous arrivons dans une phase très délicate pour Monsieur Mbala. Il évite le coup de poing gauche, le coup de poing droit. Il évite encore. Oulala, il est très énervé. Il le met dans les cordes, mais n'arrive toujours pas à le toucher. Oulala, quel suspense, quel match, quel rebondissement, Jean-Pierre. Oui, alors évidemment, le concurrent n'est évidemment pas concentré. On voit qu'il rate tous ses coups et qu'il court dans tous les sens. Et effectivement, Jean-Pierre, nous avons de là un match très intéressant avec peut-être le directeur qui va faire... Oulala, le directeur vient s'en mêler. Viens derrière moi. Le directeur met un terme à ce combat qui était pour le plus épique. Merci, monsieur le directeur, pour la deuxième fois.